Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, comment nous y est? Jeudi, c'est vendredi 1er novembre 2024. Nous comptons rentrer la caillou, comme d'habitude. Nous toujours là pour nous porter information pour vous. Il y a un nouveau mois qui rentre, de nouvelles perspectives, nouveaux défis. Et nous parlons là pour nous finir l'année 2024. Là. Et chaque mois qui rentre, c'est toujours important pour fixer tous des objectifs, pour mettre devant ou ensemble de points. Tracer l'ignou pour qu'on côtoye, koto ta remeye, koto capable bataille pour arriver. Et bien que bagayo difficile dans le pays, bien que bagayo paraît chaque jour plus compliqué, mais j'en toujours aimé faire pas bon ici. Nous prenons un petit temps pour nous remonter moral, là, pour nous souhaiter passer un très bon mois. Pendant que yon a veillé sous l'autre, yon a protégé l'autre, et pendant que yon a pris un petit temps pour nous continuer à fixer et tête nous, pour nous bailler tête nous ensemble, d'autres objectifs. Déjà, m'a souhaité passer un très bon mois et surtout un très bon week-end. Quelques parmi grands points importants qui ont dominé l'actualité, hein? Et président Leslie Voltaire, coordonnateur CPT, hein? À peine ni atterri dans pays, Ligeta mette pression sous Premier ministre Gary Conny. Gros changement annoncé, réunion planifiée pour jodi an même, ou pral gagner tout détail dans bon ti mami. Yon lot bon ministre justice Carlos Hercule à commissaire gouvernement paquet Port-au-Prince, yon pour une décision tête chargée là, yon pour une décision côté que yon interdit à tout moun, yon interdit à tout administrateur groupe WhatsApp, moun ki gen Facebook, YouTube et Twitter etc. pour yon pas partager aucune vidéo, aucune photo, aucune parce qu'il y a pour avec question gang, question bandit, ou quand même prend prison sous refuser couper en bas décision ça. Cependant, il y a gros faille dans notre style, dans la décision qui prend pas bon côté gouvernement. Nous parlons ensemble qui ça faille si là yoyé. Notre dossier mercenaire, invitation qui te baille à Premier ministre Gary Conny pour mercredi qui saute passé là, malgré Premier ministre li pat présenté le début d'invitation. Eh bien, Conseil présidentiel transition pas décidé et campé, pas campé, yon deuxième convocation, yon deuxième invitation lancée pour Premier ministre Gary Conny. Ou pral genyen détail yo nan yon ti moment. Hier, l'ite viral sous tout réseau, la police, BLTS, BLVV, yon débarqué dans rendez-vous 33, yal cherché Jean-Tel Joseph. Côté Jean-Tel Joseph, yo pa wè Jean-Tel Joseph. Jean-Tel Joseph disparaît, Jean-Tel Joseph volatilisé. En pile question à poser et nous pral partager ensemble avec vous. Position membre qui constitue équipe opposition plurielle là, on pral connait dans bon ti mamite qui sa bagay yo. Si on a des formations n'a gagné pour nous partager ensemble avec vous dans vidéo aujourd'hui, on m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner. Activez la cloche de notification, comme ça, vous pouvez être connecté avec nous, vous ne pouvez pas rater aucune vidéo de formation que vous avez gagné pour nous poster. Nous avons commencé l'émission avec un message extrêmement important. Nous avons gagné Bobze. Qui est-ce qui parle de Bobze? Ah, nous connaissons Bobze. Nous avons longtemps pas attendu Bobze, mais Bobze nous connaît à cause question gang insécurité et bandit yo te vraiment frappé l'économiquement parlant. Yo te mette deux Bobze à terre. Eh bien Bobze li refait surface, li vin parler avec pays hein. Et gen un message extrêmement important qui partagé et qui méritait vraiment pour bal toute attention parce que j'en situation pays a détérioré là j'en va y apparaît plus compliqué plus grave li important pour nous booster chaque grain haïtien pour prendre un petit cal conscience parce que si nous pas prendre conscience eh bien bagay yo ka plus grave pour nous on va regarder attendez ensemble avec moi qui ça message Bob Zéaye pour pays on va le matin monsieur pour me dire et ça m'a dit on pas parler dans bagay moun encore pas parler dans ce pays ça encore. Je ne paye tout ça pour le pays. Je ne paye pas le pays pour me perdre petit sim dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Je ne paye pas le pays pour me perdre tout ça pour me posséder dans la ville. Je ne paye pas tout ça pour me posséder dans la ville. Parce que matin, je dis qu'on n'a rien perdu dans la vie. Lorsqu'on n'a pas tout perdu, la vie renaîtra. Mais c'est que moi-même, je crois dans la vie à continuer. Je ne paye pas chita à prier. Parce que je ne paye pas la banque.
Par contre, ça m'a dit la banque, m'a trouvé la banque, et puis nek yo détruit tout ça m'a fait pendant 30 ans. Tout ça m'a fait pendant 30 ans. Nek yo poule, kaimoué, m'a fait pas peine fin pour gaz à house là. M'a peine fin pour gaz à house, dans sac si m'a $300. Nek yo vini yo pire tout kaimoué, et puis yo met 10 semaines. Nek yo poule tout machine, machine location m'a acheté prêté la banque, nek yo poule tout. Donc, moi même pas vini pour me crier là, même. M'vin parler avec des trois vagabonds, des trois malandrés. Pour me dire que vous avez un chouchita, et c'est sous l'IFCIE. Et là, on finit de faire, il y a tombé dans la main. Parce que nous, tous, nous sommes dans le bateau. Les États-Unis préparent une bonne malandrée, puis critiquent pour voir les bonnes là. C'est juste dire qu'il n'y a pas de peuple à Calégel. Ça veut dire que les États-Unis, la grande puissance du monde, pas à servir un pompier pyromane pour passer dans la bêtise. C'est passer tout ton peuple dans la bêtise. Prends un bon vagabond, mettez-le la caillou, et puis mettez le pays à notre tête chargée, et puis après, vous voyez comme solution. Tout le monde qui a fait des à eux-mêmes, ils viennent proposer pompier. Ça veut dire que monsieur nous venons cafou aujourd'hui, hein. Faible reste société, hein, comme David te dit, quand les fondements de la société sont inversés, et les justes, que ferait-il? Mm-hmm. Mais ça nous dit, moun qui juste dans la société, ça, moun qui a l'épaule qui suivent les droits pour nos bagailles dans la ville, qui ça nous dit le fait? Je vais garder dans la section communale, là, monsieur, elle a fait mal, mais. Parce que des petits mounions, qui t'appuient bien propre la caillou, qui viennent dans le monde, qui vivent dans des conditions inhumaines, men. Cheveux rouges, mounions, dans bon l'école, par un coup de même dans l'école nationale, il va y avoir un bon pour elle. Et puis chaque jour, on a passé de combat comme ça. On a passé tout pile vagabond, passé dans la bêtise, men. Je parle avec 9 vagabonds, ils ont été m'entendre dans le tête conseil, là, dans le patati patata. Avec qui on va parler. On va parler avec Pony Blanc, bon, et Vina, pour me connaître, ça, ici, on y est connu. Ça veut dire que si vous pas capable, c'est Bad Boudon, là. Bad Boudon, allez. Nous, on va quitter un pays comme ça, monsieur. Moi-même, je me dis toujours, dis-nous, l'inaction des gens de bien permet aux malhonnêtes gens de triompher. Ça veut dire que les nous chitons comme ça, nous ne pas dire rien, nous restons à Bradonnet, on équipe net, ça prend pause, c'est yon même pays, pourtant c'est yon en destruction, mais c'est pas possible. Et moi, je te dis que le jour viendra, ce jour n'est pas trop loin. Quand les plus pauvres n'auront plus rien d'autre à manger, ils mangeront les riches. Moi-même, je ne vais pas gagner contre Tilapli. Je ne vais pas gagner contre Iso. Je ne vais pas gagner contre Jeff Canaran. Je ne vais pas gagner parce que c'est société qui a mis en place pour ça. Je dis à moi-même qui a défendu, je vais appauvrir. C'est que, monsieur, je dis qu'il faut qu'on lève comme ça. Pour qu'on lève comme ça, c'est ce qui fait pour vagabond ça. Nous s'entendons, Bob Z, qui lui-même lui tape tout détail. Parce que là, vraiment, nous arrivons dans une phase dans le pays, nous arrivons dans un cafou là. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas. Nous avons un chita sous le choix là, il n'y a pas le choix là mal. Nous avons un chita sous branche, même branche, un chita sous lien, nous avons un couper. Nous avons un couper, nous avons un chita sous branche, nous avons un confortable, nous avons un à l'aise. Ou même qui paraît en bâti branché, ou ap pronti à l'aise, ou ap cherche un ti à l'aise, ou ap cherche quand on ti fraîche, yo vle coupe branché, ha vle di, yo pa bien pou yo chita, parce que peut-être yo ka gon le pied bois. Mais pour ou même qui besoin paré soleil, pou pa jen branché, pou paré soleil. Donc est-ce que le possible, il pas possible? C'est pas seulement Bob Z qui n'en paraît situation, non, qui t'a investi tout à voile dans le pays, et puis il retombe bon matin, lui a tout ça été redit, fait tout ça été redit, construit, et puis il disparaît devant le temps qu'on coupe d'éclair, non? Il disparaît devant le temps qu'on coupe d'éclair. Eh ben, non, il n'y a pas seulement Jotel qui a disparu devant le temps qu'on coupe non, non. Même si on redit fait, inaction nous, complicité nous,
Vous comprenez? L'homme parle de complicité de manière passive. L'homme nous accepte, l'homme nous pas réagir, l'homme nous pas dire rien, l'homme nous pas revendiquer. Pour ne yon prend pays a, yon fait pays a, tout ne salye jounè jodi an, yon fait nous, yon rend nous complices. Gade ki formule internationale l'on utilise. Nous même nous tap di nous parle CPT, nous parle conseil 7 tête, etc. Kreye présidentiel. Ok? Jounè jodi a yon fait, même nous même encore nap mande yo, mette sécurité dans pays a. Nap mande yo, prend disposition pour amener sécurité. Nap mande yo, et combattre la richesse. A nap mande yo, ceci, nap mande yo, cela. Alors que nous pas de vle yo. Est-ce que nous voyons côté problème nan yé? Yo fè nous valer, yo fè nous boire, yo fè nous d'accord, yo fè nous accepter bagay que nous pas de jam vle. Yo fè nous accepter bagay que nous te semente nan pa boire. Yo descend yo bourre la ti bois nan gorge nou. Mais qui politique nèg yo utiliser en Haïti tande? Mais qui politique tellement nèg yo à l'aise kounye a? On nous garder ensemble avec moi là qui ça qui sorti par bon côté ministère justice et sécurité publique. Voilà. Depuis hier après-midi, c'est document ça qui ça c'est viral, OK, qui ça c'est viral qui a fait tout réseau à côté que et nous gagnons commissaire gouvernement qui signe là qui c'est Jean-Claude Jean-Antoine. Eh bien, dans notre si là, li adressé li avec tout citoyen, citoyenne, administrateur, administratrice, groupe WhatsApp avec utilisateur réseaux sociaux yo. Objet et communiqué, objet lettre là, c'est interdiction de partage et de publication de vidéos à caractère criminel. Côté que dit paquet bando pressant, li a rappelé tout le monde qu'il est strictement interdit de partager ou de publier des vidéos à caractère criminel sur les différentes plateformes de communication. Cela inclut sans limiter et des vidéos montrant des actes de violence, des crimes, des délits ou toute autre activité illégal. Le partage de ce type de contenu, en plus de violer le droit des citoyens et met en péril la sécurité nationale, est susceptible d'encourir des sanctions juridiques importantes. En conséquence, toute personne reconnue coupable de diffusion, de partage ou de promotion de vidéos à caractère criminel s'expose à la suspension des services téléphoniques ainsi que des poursuites pénales. Nous demandons à tous les utilisateurs des réseaux et sociaux de faire preuve de vigilance et de responsabilité dans le partage de leur contenu tout en veillant au respect de l'article 6 du décret et du lundi 21 novembre 1977 accordant à l'État haïtien le monopole des services de télécommunication, etc., etc. Moi-même, ça qui est important, et je voulais dire jusqu'à présent, là, gouvernement, c'est sous bluff, yo campé, nègre, c'est sous foule, yo campé. Moi-même, si mettre quand le circule, ou bien si magistrat, si commissaire gouvernement ça a vini pour le dire, mais qui loi, mais qui décret, qui punit, partage en vidéo, sous réseau, on n'a pas aucun problème avec eux. Mais d'autant yon pas ka vini pour le dire, mais sous qui loi, mais qui loi, mais qui décret, qui punit, qui condamne, qui sanctionne, qui juge répréhensible, comportement n'est pas citoyen, pour yon partage en vidéo que la loi interdit, le ça. Le sa ou yop kavin avec sa yop publié la, pou yop di, yop te averti, pou yop di, yop te parlé ak PIA, etc., que nul nan prétexte ignorance. Moi, m'a pas aucun problème. D'ailleurs, partager vidéo bandi, et moi-même, tout son ba, m'a toujours jugé qui ont tijan drôle, parce que bandi yo, c'est comme si son forme de propagande que yo a fait. Mais, le nous rentre dans le contexte côté que, ou en mini-justice, ou voyons un commissaire gouvernement, nous voyons sorti une décision comme ça, ou communiquer comme ça, et ou même qui pas connaît, ou tout pas connaît, ok? Là, nèg yo a utilisé moi impression sur population, pas aucun problème. Pas aucun problème parce que c'est yo l'État, c'est yo chef. Mais l'on fait pas aucun base légale pour faire li. Ok, pas aucune base légale pour faire ça, décider faire. Là où en contradiction à propre, tout c'est où qu'a violé de quoi? Citoyen yo gagne. OK? Et pour mettre Carlos vini avec loi qui punit partager vidéo criminel, décret vini pour partager vidéo criminel, le ça ou ka di OK, sou partager vidéo al son crime ou bien le son délit. Mais nèg yo pa ka fè ça, pa gen aucun décret qui publié pour condamner et comportement répréhensible, pa gen aucun loi condamner et puis tout nou anik prend décision comme ça. Bon, et y a adage en droit pénal qui dit pas de crime sans loi. Pas de délit sans loi, côté li.
pas de peine sans loi côté li ça yo fait avec et puis mettre Carlos Hercule qui était bâtonnier de l'ordre des avocats. Bon nous cal plus loin même pour nous pousser réflexion nous. Donc je ne dis hein, au lieu ces simples citoyens que la police que la justice a cherché réprimer pour que ça yo pas aller depuis en l'air pour dire empêcher bandi yo faire action criminelle. Moi m'pas aucun problème pour la police faire travail pour la justice faire travail non parce que et nèg exam yo fait société en pile tort oui. Mais c'est pas population pour venir payer pour casser c'est en l'air pour gérer problème non bandi yo c'est bandi yo qui fait vidéo yo qui lagué sur réseau hein vidéo ça là moi même si m'ta pour une vidéo en bandi c'est pour me faire commentaire c'est pour me faire commentaire c'est pour me faire analyse oui. Mais ça va pour me faire propagande pour bandi comme quoi pour me dire ouais mais ça barbecue mais ça iso mais ça vite l'homme fait non pas prendre un service ça OK mais kounye ya c'est pas simple citoyen pour mini justice pour commissaire gouvernement à chercher mettre babouquette à chercher utiliser gros poignette c'est bandi pour bloquer réseau communication toute la sainte journée sur TikTok à faire live qu'on a tel va exister pour bandi mais il existait pour simple citoyen OK. Principe ça n'est pas applicable pour bandi yo toute journée à faire live toute journée bloquer réseau a li pas applicable pour yo mais c'est pour simple citoyen là on dit dans pour gen force sous ban ennemi là nous comprenons ni pouvoir koni là ministre justice ça yo montrer le clair yo montrer le clair et moi même pas faire aucun débat sur ça parce que là moi vraiment pouvoir ça qui là est pas pouvoir peuple lié vous comprenez yo plus là pour yo causer dommage à population que yo assurer yo protéger bien net population. Avait dit toute journée yo kon quartier général toute base gang toute chef gang yo kon côté yo gen base yo kon côté yo fait groupe gang yo clan etc. Yo pas jamais prend aucune disposition pour yo dit qu'on a tel a bloquer réseau communication yo qu'on a tel a fait ceci dit tel a fait cela n'a comment faire cela yo pas fait. J'ai l'impression zone ça yo côté moun paisible ka pa gen courant 24 sur 24 et DH a ba yo courant côté dit n'est pas capable bailler citoyen paisible y a gagne de l'eau 24 sur 24 on comprend parce que m'a regardé en plein gain là vite l'homme détourner courant ambassade américaine ya détourner courant et qui rentrer dans zone ambassade américaine yo prend courant il va faire affaire avec yo va faire affaire avec courant donc nous comprenons bien ça veut dire citoyen paisible n'a pas gain droit pour le joindre service mais bandi plus senti qu'on y a l'état rentrer dans logique protéger l'hôpital. Protéger hôpital que toute bagaille alors que ces populations civiles là je ne jodi dire tu as supposé à protéger à garantir droit à intégrité mais ça que l'état attendez moun yo en tout cas chef parler papa chef parler et on chef pas on jouette donc ministre justice sa gen moun la très bientôt l'on va attendre ou après le pas jeune nous attendez oh yo descend ligne téléphone intel oui il te partager vidéo iso et puis iso a fait vidéo chaque jour ironiquement parlant. Bien, n'avance. Nan sa ki gen pou wè avec question gouvernement Gary Koni la. Li important pour nous comprendre wè que gouvernement CPTA yo gen un agenda. Yo gen des grands chantiers que yo te établi et pour yo te travail sou yo, pour yo te desservi population sou grand chantier sa. Malheureusement, nan budget exercice 2024-2025 là pral genyen un ensemble de failles que économiste Edier Emile lui-même li révélé qui montre que route gouvernement Gary Koni la prend avec ça yo di a fait et bien c'est deux bagay nettement différents. C'est deux droites parallèles qui pas jamais risqué toucher. OK parce que ça yo di a fait yo sou en ligne ça yo décide mettre dans budget pour yo faire yo sou en ligne. Youn pas vraiment coïncider avec l'autre. Nous pral tande ensemble avec moi tout détail que Edier Emile lui-même la baille explication que la baille dans dossier si là. On va attendre ensemble avec. Budget ça qui sorti là. Moi pas wè aucun côté là-dedans ou gen pression que gagnen yon travail de support à la production nationale. De support à l'activité économique. Pas oublier non contexte nous là. 2024, ça fait sixième année consécutive depuis l'économie gagne une croissance qui est négative. Ça veut dire que l'économie n'a pas créé richesse. L'économie, ça fait chômage la brigler. Ça fait misère la brigler. Ça fait investissement privé qui n'a pas existé la brigler.
Donc, comment m'a sorti un budget jodi a que moi pas ouais qui gagne ambition économique, que moi pas ouais mesure incitative ou encore ensemble de choix et d'actions qui parle en sens pour faciliter développement industriel, accompagner mon cap faire business, etc., etc. Et c'est une grande phrase que je vais utiliser pour me résumer le budget. Ça. Son budget sans ambition. Voilà, sans ambition. Mais plus loin que ça, on rend compte que nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Ah, et mes budgets, ah, et telle enveloppe, tel ministère, tel COB, tel milliard de gouttes, tel milliard de gouttes. Ça va être l'analyse. Analyse, ça n'a pas fait là. OK? Budget ah, sans ambition. Et c'est pour ça que je suis vraiment rentré dans cette intervention dans les médias. Pop, ça c'est le budget. Et puis deux mots. Nous avons besoin de temps pour l'élaborer, pour nous comprendre. Je dis sans ambition. Même pas le plus loin. Nous faisons une expérience sur ça, nous avons le budget programme pendant à peu près deux ans qui se passent là. Deux, trois ans qui se passent là. Et puis nous campons. Allez, ça, nous suspendons le budget programme. Alors, ce budget programme, non, son bagage que tout le monde a toujours souhaité. Je vais expliquer ça, je l'ai dit, parce que quoi, une émission en soi, une émission pédagogique. Nous suspendons le budget programme que nous avons commencé à faire. Donc, nous faisons progrès, nous faisons back à ça. Qu'est-ce que c'est le budget programme? Un budget programme, c'est un budget qui est formulé autour des objectifs à atteindre. C'est le résultat qui peut s'intéresser et non pas rubrique de pension. Maintenant, le budget qu'on fait là, c'est un budget moyen. Budget moyen, contraire à ce qui est bon, c'est un budget programme. Budget moyen, c'est libérer les mais dépenser tel bagaille, tel ministère, culture, tourisme, agriculture, santé, éducation, la police. Mais au final, nous ne pouvons pas retrouver l'objectif. Nous ne pouvons pas retrouver qui résultat que nous allons atteindre à travers ça. Donc, budget programme, c'est un budget qui est capable de combiner question des pensions avec un programme parallèle pour dire mais qui côté nous allons aller, les budgets ça a fini exécuter, les comme ça a fini dépenser, mais qui côté la mener nous en termes de résultats économiques, résultats sociaux, résultats sur l'infrastructure, résultats sur la santé, l'éducation et le logement. C'est de ça qu'on parle. Donc, le fait que nous suspendons le budget programme, pour moi, c'est un mauvais signe. Li retire nous dans le cadre de planification, de mise en œuvre programme que nous supposons justement réaliser pour que li corresponde à ressources que nous allons disposer dans le budget. Et même lors d'un des théoriquement sur le papier et les objectifs que vous avez, qui vaguent d'ailleurs, qui pas précis, t'as l'air de dire ça. Mais nous connaissons effectivement qui ça va le bail en fait rien. Service public a toujours faible, pauvreté persistante, inégalité sociale mais hauteur, chômage, vulnérabilité par rapport à catastrophe naturelle et corruption. Et ça me dit là, nous allons un an après parce que au final nous pas à aucun moment de la durée, tu définis un programme pour que nous adressions différents éléments. Maintenant, quel est le bail qui est intéressé? Selon la loi, selon la loi, sous qui Jean pour nous faire budget, qui était sorti en 2016, qui bail toute marche à suivre, tout ça nous suppose faire. Et nous avons prévu que nous ne voulons jamais respecter qui est la loi du règlement. Mais comme par exemple, nous avons le décret du règlement. Qui ça veut dire? Le budget fin exécuté, un des budgets qui est exécuté là, 1er octobre 2023, 30 septembre 2024. Maintenant, le fini, il faut que tu aies un travail verdict qui fait. Ça veut dire pour nous dire que ça que tu es supposé faire, est-ce que tu es fait? Est-ce que le résultat que nous voulons atteindre, est-ce que vous là? Est-ce que l'argent est bien dépensé? Donc, règlement, c'est le pral fond sort d'évaluation de l'exécution du budget de l'année dernière.
pour m'ka kounya si m'gal fon l'autre budget, mesdames, messieurs, faut m'ka dit tête mwen, ça m'de régler l'année avant. Est-ce que m'de bien géré Kobla? Est-ce que m'de bay résultat avant que m'commence une nouvelle année fiscale? Nous pas intéressé fait bay ça. Nous pas quoi nan bay ça. Ni le de gen parlement, ni pendant pas gen parlement, question règlement, budget, nous pas intéressé avant. Parce que nous pas remè transparence. Nous pas remè reddition de compte. Nous pas remè pour que nous comparer objectif avec résultat. Parce que la fait nous l'aide. La fait nous paraître par glan. Et ceci, même le bas de parlement, conseil des ministres est capable d'adopter yon décret de règlement, même j'ai adopté un décret budget. Mais comme, encore une fois, nous pas dans standard, nous pas dans respecter principe, nous pas dans institutionnalisation, si, nous c'est spécialiste bricolage, a fait n'a fait vite, nous n'avons pas gain temps là, gouvernement tombé, gouvernement monté, pas de gain bail t'a fait en dehors de ça. Parce que, oh, normalement, il n'y a pas même une question de tout problème ça, pour question gouvernement, etc., soit font processus comme ça pour le respecter. Maintenant, il y a un autre aspect qui intéresse dans le budget. En général, il m'a fait analyse. Je me dis, on va me demander tel ministère, il y a sous site là, il doit joindre. Ce n'est pas ça qui est plus important en termes d'analyse. Qui ça, chaque ministère, si vous avez pour le sous site là, ou après le chiffre là, bah, il me songe. Ce n'est pas ça qui est plus important, encore une fois. Budget, il y a une équipe de principes pour le respecter. Principe antériorité, principe universalité, principe d'unité, principe de spécialité, principe d'équilibre. Mais il y a un principe que je suis plus intéressé à faire, c'est le principe de la sincérité du budget. Et qu'est-ce que ça veut dire, sincérité du budget? Sincérité budgétaire veut dire que, est-ce que moi, sincère, le moins dit dans le budget, quand c'était l'argent que je pensais que l'État a collecté pour l'année, est-ce que je suis sincère dans la dépense que moins dit l'État promet pour le faire dans l'année? Ou est-ce que ce n'est pas menti ma belle population? Donc, est-ce que je suis bon chiffre dans ça moins dit que je suis dans même comme enveloppe? Est-ce que je suis bon information dans ça que je dis que je régler en termes de dépenses pendant l'année? Est-ce que je suis faire confiance? C'est ce qu'on appelle la sincérité du budget. Je prends quelques chiffres, je tire la conclusion que le budget n'est pas sincère. Bon, pas de bonheur. D'abord, il faut me dire que le budget total, là, c'est 323 milliards de gouttes. L'on met un dollar américain à un taux de 133, ça donne nous 2,4 milliards de dollars américains. Bon, ok, très bien. Maintenant, je dis, pour qui ça me dit un budget, ça n'est pas sincère? On regarde avec. Budget ça, yo prévoit recette l'État a augmenter de 26% pendant année ça par rapport avec année dernière. Donc ça veut dire que budget l'État, pardon, recette l'État te prévoit 172 milliards de gouttes l'année dernière. Année ça l'État a dit tellement bagaille yo bon kounya, li prévoit rentrer 215 milliards de gouttes. En passant de GIT, que tu as commencé à faire grève depuis le début de l'année fiscale. Là. Donc, en contexte, pour faire question, j'en dois marcher, j'en gang empêcher mon fonctionner, plus business à faire chaque jour, importation à baisser, tout bagarre baisser, mais l'État dit lui-même, il prévoit augmenter de 26% recette fiscale. Bon, quand dit mon Dieu, rendez-moi fou sage, qui côté l'État pour arriver à augmenter ou 7 pendant que l'économie n'a pas marché. Donc, côté le bral fel, est-ce que c'est sur le monde qui te compte payer déjà le bral pays pour le faire payer deux fois plus? Par contre, donc, ça a eu pour moi, lui demander questionner en termes de crédibilité. D'ailleurs, t'as l'air de dire, quand c'est contre tout conteneur que n'a pas rentré baissé, etc. Donc, il y a pile en difficulté et qui ça paye taxes? C'est l'entreprise. Toutes les pays d'action, pour la plupart. Mais le chaque jour, il y a moins d'entreprises, toutes différentes côtés. Donc, on se demande qui côté de l'agence l'agence a. Mais on a un élément dans la sécurité. L'État haïtien dit que il prévoit
support extérieur, c'est-à-dire les financements externes, en termes de dons, dons, par exemple, budgétaire dans le budget ça, il prévoit pays étrangers avec organisations étrangères pour aller à Haïti 75 milliards de gouttes pour année ça. 75 milliards de gouttes, l'obéité dans le dollar, ça fait 563 millions de dollars américains. Et puis, je me dis, bon, malgré des soucis de BRH là, 5 dernières années, combien de cobs vous comptez à Haïti? Moi, je n'ai pas une année qui est plus que 300 millions. C'est 100, 70, 120, 200. Et bien, année ça, l'État dit, nous que la 563 millions de dollars que la tonne de l'étranger. Donc, bien sûr, les premiers ministres de New York, chaque promesse sur fait, il a ajouté le carrière. Et puis, il met l'addition. Parce que, bah, comment que l'État haïtien est capable de dire, nous, dans le budget, que il pense que l'étranger, pour le bal, 563 millions de dollars américains de dons pour l'année fiscale, ça, pendant qu'on n'a pas fait élection, non pas un parlement, où tout le monde de facto, il a pris la question, nous, n'a pas chiré notre président CPT avec Gary Kony, etc. Bah, on est. Et voilà, nous s'entendons, dire Emile qui lui-même lui tape des détails, sous façon gouvernement, équipe qui sous pouvoir entendre pour gérer, pour monter question budget, qui pas vraiment reflété à toute population, qui pas vraiment reflété et ça nous gagne comme besoin, ça nous gagne comme attente par rapport avec ça qui t'a de fait pour porter, yon aller mieux, yon soulagement par rapport avec problèmes multiples qui gagne là yon. Comme c'est gouvernement qui gen mayet lan et gouvernement équipe qui sous pouvoir yo gen en face yon opposition politique, nous connaît ces deux groupes qui a frappé principalement en face gouvernement, en face équipe qui sous pouvoir, c'est Efré, équipe Guy Philippe là avec opposition plurielle équipe Jean-Tel Joseph. Eh bien hier un incident qui passait dans rendez-vous 33 côté que Jean-Tel Joseph et opposition plurielle là t'ai une conférence pour la presse que yo t'ai programmé pour yo faire la police débarquer et bah ti causé qui t'ai gagné la police encercle rendez-vous 33 plume bagouille plume ne bouge. Donc son situation vraiment difficile. Eh bien, il y a une réaction par vos côtés, ma proposition plurielle. Yo. Et nous prenons gagner des détails en nous suivant ensemble qui ça véritablement bagaille l'ité. En al. Tout journaliste, yon bagaille vest. Est-ce que vous, journaliste, yon bagaille vest? Avez dit, nest pas, ça a sorti un problème dans les sous-nous, nest pas, vest? Il va sous l'eau. Son discours d'assassinat. Son plan d'assassiner, il est venu pour assassiner nous. Son plan. Est-ce que vous voulez? Là, on dit Negavès, pas qu'à sortir de l'air. Ni clair. Negavès, pas qu'à sortir. Journaliste, ma prenez nous ça pour pays. Ma prenez nous ça. Ma prenez nous ça pour pays. Pour pays, on a fait ça. Nous obligés d'aider parce que les gens ont besoin. Tout pour aller, parce que est-ce que vous voulez que vous voulez faire ça? Non. Plus que tout le monde aller, et bien, qui a un souci qui n'a pas choisi d'assassiner. Est-ce que vous voulez comprendre? C'est plein ça. Nous comprenons et nous mettons le message tout n'est pas ça, puisque les policiers là. Est-ce que j'étais toujours là et pas chef oppositionnier? Nous ne pouvons pas faire la coupe à faire back. Et nous dit désobéissance civile. Nous commençons à faire des choses. Là, nous disons désobéissance civile. Nous avons besoin de travail, nous allons avoir. Merci. Où est la police a fait travail? Donc, comme journaliste, nous sommes capables de servir un témoin. Nous et la police a fait travail aujourd'hui. Qui t'a dit, mais ils ont descendu là. Qui t'a dit, même avec eux, descendu là. Tout est cassé là. Tout est lagué bien. Même ils ont descendu là. Tout est cassé là. Je dis à des citoyens, avisés, des politiciens, nous, mais la police, mettez-nous en otage. Yo, c'est que toute zone, je dis, nous ne pouvons pas. Et ça fait mal en pile. Du fait que les policiers sont des salopes, sont des gens qui ont des dimensions. Nous avons des fouilles, madame Capella, nous avons des otages, nous avons des otages, même avec les gens qui ont des otages, nous avons des otages, mais ils ont des otages, nous avons des otages, nous avons tout à coup. Tout le monde lâche. Et tout le monde lâche. Tout le monde lâche. Tout le monde lâche. Tout le monde qui passe sur ce n'est pas avec eux. Le monde qui va avec eux, c'est eux. Il y a agi sur eux. Demain nous vite, tout le monde connaît. Pendant 25 ans, nous avons une bataille dialectique. Nous-mêmes, nous sommes opposés à tout ça qui n'est pas bon. Et moi-même, je suis dirigeant politique. Je fais appel à ceux qui disent amis. Tu fais qui ça? Tu l'as pris avec tes hommes. Mais on met en otage. Ok. C'est nous, autorité, mais il y a.
C'est nous, messieurs. Là, nous disons, on va faire. Fin sauver nous, non. Oh, non, gars, mal entendu. Comme si, dirigeant politique, là, leader politique, là, m'a dit, barbecue, iso, mais la police mette yo en otage, puis yo vin sauver yo. Non, et puis, moi, ça, on dit, m'y aurait l'état, yo, leader politique. Mais, même en temps de guerre, y'a des bagages qui pas qu'à sauter dans la bouche, moun yo. Même dans une situation difficile, y'a des bagages qui pas qu'à doué, jambes sauter dans la bouche, n'est-ce pas? Pour iso, barbecue, vite l'homme, vin sauver. On va se, on allez. Vous sauvez nous. Cause la police. À la police, pas vous chasser, prendre toute zone en otage. M'a demandé, monsieur Sayo, comme j'ai autorité. Même pas dire, non, vous contre la police. Mais on prend en otage, d'abord, nous ne pouvons pas déplacer, nous ne pouvons pas sortir. Quand vous allez chercher l'école, mes journalistes, surtout, m'a demandé, vous pouvez nous secourir. Qui sont vous pouvez nous secourir, sinon, mettez nous dehors. La police ne va pas. Hein? Mande Iso, mande Tilapi, mande Michelon, mande Barbecue, s'il vous plaît. Opposition en danger, moi-même pas j'aime goumé. Vini sauver l'opposition. Mais la police, braquez les âmes sur nous, nous pas sauter l'espace là. Comme vous direz que c'est l'autorité. Nous faisons appel à l'autorité, vini sauver nous. Nous pas qu'à sortir non. Nous pas arrêter de nous mettre là, la police nous pas qu'à sortir. Contre MSC, cap du GPIO, contre le président pays à Iso, Tilapi, c'est nous chef. Vini délivrer nous non. Population qui est 3 millions de dollars, elle a le temps, je parle de balle dans le dollar, et quand je parle de respecter toi, mais elle a fixé. C'est ça, oui, nous avons besoin d'avoir une balle. Nous avons une balle également aujourd'hui, pour nous dire que, mercenaires, pas une fonte tête nous là, nous avons une fonte tête haïtienne là. C'est ça, nous avons une balle, oui. Nous avons une balle aujourd'hui, pour que nous la porte plus bon cadrement. Nous devons parler aujourd'hui, faut que c'est pété illégal là. Allez! Nous devons parler aujourd'hui, faut que Gary Conny, avant maintenant, qui est illégal. Allez! Eh bien, aujourd'hui, nous empêchons, Père Major d'entrer. Nous empêchons, Tina d'entrer. Nous empêchons, Madame Pierre d'entrer. Nous empêchons, Osman Réveille d'entrer. Nous empêchons, Madame Rebecca Boto d'entrer. Nous empêchons, ancien député, plus bien entré. Ils ont empêché l'ingénieur Sitama entré. Ils ont empêché M. Gary Samoussa Diafoua entré. Ils ont empêché M. Mackinson entré. Ils ont empêché M. Rosemont entré. Ils ont empêché M. Fito entré. Ils ont empêché des milliers de partisans et sympathisants opposition plurielle là. La police met une barricade. Ils ont sous nous. Ils ont assassiné nous. N'a dit yo, bataille à volo pas. Nous pas parler en pile comme des géants. Nous pas parler. Nous demandons résistance. Nous demandons résistance. Nous demandons résistance. Résistance. Des obéissants civils. Ça a été compliqué, vrai, oui, non, mais yo. La police débarque. Il a fait moral, policier. Bon, faut petit copé là, parce que bon bah qui attire attention hier et gère ça une question mon a posé moi-même personnellement m'pa gen réponse yo m'pa gen réponse yo pour m'bay parce que gen moun k'ap mande m et finalement qui ça t'es fait à Jotel, quoi Jotel t'es fait, est-ce que Jotel t'es disparaître, est-ce que Jotel pas
dit nous si je t'ai disparaître non. On pas qu'a dit nous. Bon mon confrère Jean-Tel qui a parlé, entendez ça là. Ça qui a passé pour y aller dans 33. Hein? Mm-hmm. Que nous sommes local. Rendez-vous 33. Côté nous venons dans une conférence de presse. Mm-hmm. Et que la police séquestre nous, mettez-nous en otage. Dans mes droits humains, nationaux ou internationaux, la responsabilité. Yo, parce que vous parlez dans toute la gueule. Sauf que ça qui concerne la population haïtienne, je suis toujours visé par lui. Moi, je fais un appel. Moi, je fais un appel aux dirigeants de l'opposition. Je fais un appel avec toute population, quelle que soit votre lien, nous rejoignez-nous dans le matin de nous, des populations, rejoignez-nous dans le matin de l'histoire. Toute population, instance droits humains internationaux, pour que vous prenez note. Vous bloquez l'opposition plénière là. Venez nous rejoindre dans le matin de l'histoire, nous rendez-vous dans le vous kidnappez nous, nous pas qu'à sortir. Population, c'est où même que nous gagnons. Vin jouen nous dans Delma 33, la police qui est venue en otage. Ça m'a dit, papi. Président Biden, Kai Kofi, nous sommes plus patra, ça y aura. Nous mettons le CBT avec Kai Kofi, nous sommes plus patra. Kai Kofi, papa, il est ministre, il ne faut pas nous battre. C'est même si on a assassiné ça, on ne peut pas nous battre les trains. Faites pas vos pouvoirs. Il a assassiné 56 personnes. Alors là, ça, nous ne pouvons pas. Claudia, on a assassiné tout le monde haïtien. Nous voulons que nous ne sommes pas prêts à être comme nous assassinons là. Parce qu'un de nos locaux, avec ta. Ça passe. Ni dépressif. On va parler. 100% de l'ambulance. Pour que je suis allé, pour que ça puisse continuer à tuer. Et nous comprenons. Nous comprenons que ça nous fait là. Nous, c'est un kidnapping qui est fait. C'est un kidnapping qui est fait. Vous avez kidnappé mon propre chauffeur là. Je suis alloué dans la pasteur qui est là. Et puis, je vais partir. Bon, là, nous sommes gardés, nous sommes suivis en image. Qui genre et situation li t'ap déroulé et pour moi prendre côté me dire hein gè quelques amis qui t'a demandé comment bagay la t'est fini et faut moi dire nous la police yo allé avec yon partisan opposition pluriel là yo allé avec un proche Jean-Tel yo allé avec machine que Jean-Tel qu'on utilisait et pour déplacement li tout ça donc nan moment opposition pluriel là et gagné avocat yo ki sou dossier a met level fofa ki continue à faire des marches parce que nous connaît automatiquement ces décisions ces batailles politiques qu'a fait ou ap toujours joine et bay gros point qu'a fait que ce soit par bon côté pouvoir ou bien par bon côté équipe opposition ap toujours gagner des décisions qu'a prend ap toujours gagner des bay qu'a fait qui pour attirer opinion publique là qui pour capter opinion publique hier c'était Jean-Tel Joseph mais faut moi dire nous dossier Jean-Tel Joseph là son dossier qui ont tige complexe son dossier qui ont tige complexe parce que le même gardé pour yo vini dans rendez-vous 33 côté conférence pour la presse t'a bail là m'a gardé BLTS débarqué chien Reni Fleur débarqué ou m'a gardé BLVV débarqué Nego lourdement armé. Yo vini fait qui ça? Yo vise spécifiquement Jean-Tel Joseph. Gen plusieurs dossiers. Nous déjà connait gen un dossier politique là. Et d'ailleurs, depuis après déclaration Anthony Blinken,
Depuis l'opposition plurielle, il y a fait des lancers, mobilisation, manifestation, il était clair. Et déjà, il y a état de sécurité dans le pays. Tout le monde qui a planifié le programme et manifestation, il a mis en côté pour machine pas frapper parce que il a fait incitation à la violence. C'est ça, ministre justice, il a dit. C'est ça gouvernement te prend comme position et yo utilisé état de sécurité là c'est pour yo ka régler cause yo pour empêcher population manifester pour empêcher moun yo revendiquer ça nous clair sous li mais gen dossier assassinat président Jovenel Moïse en tout qui au niveau de la cour d'appel côté ministère public qui lui-même li sous dossier au niveau de la cour d'appel li te mandé pour rejeter et appel que Jean-Tel Joseph lui-même li te fait de ordonnance sur assassinat président Jovenel Moïse. Mais kounye a le unité sa yo débarqué dans rendez-vous 33 nous te ka comprendre si c'est bri peut-être et qui c'est brigade de recherche et d'intervention si c'est bri te vin nous te ka dit peut-être c'est dans tel dossier yo vin chercher Jean-Tel mais là ouais BLTS débarque au côté qui c'est brigade lutte contre trafic stupéfiant ouais BLVV débarque en côté qui se brigade lutte contre vol de véhicules et accompagné de l'autre unité dans la police, on pose cette question, qui s'agent tel qu'a gagné sous là comme dossier? Qui s'agent tel qu'a gagné sous dollar comme infraction, comme bagaille reproché li, qui poko paraître, qui poko éclater au grand jour, qui pour permettre que gagne gros forcing ça, gagne gros déploiement ça qui fait l'œil à bay conférence pour la presse. Et pour moun ka di m kote Jean-Tel te fè yo, m pa konn si l te tourné la fime, m pa konn si l te caché seulement la police cherche yo fouye yo pa jwenn Jean-Tel. OK? Yo pa jwenn Jean-Tel, mal fini pa jwenn poule. Li jwenn paye yo ale avec yo proche opposition plurielle, yo partisan Jean-Tel Joseph ak tout machine. Donc c'est comme ça. Gen moun ki di et partisan allié proche opposition plurielle, non, dit tout simplement c'est comme si c'est attaque politique, c'est façon pour intimider yo, reprendre pour boycotter mobilisation que a organisé etc. etc. Mais gros bagay me songe. Nous connais ça qui passe dans tête. Moi me songe sous Jovenel Moïse. Si c'est André Michel qui t'a organisé conférence pour la presse à la police t'est débarqué. Et t'es sous Jovenel Moïse. Pays a tap tellement choc. André Michel tap tellement met pays à chaud. Jovenel Moïse pas tap kon kote pour le mettre col. Et c'est une des raisons m'a suivre pour moi depuis après assassinat président Jovenel Moïse gen des décisions politiques qui prend le dans pays. Moun qui a prend décision yo prend décision yo pour yo montrer yo pi fort que Jovenel Moïse. Yo pi fort et gen série de bagay qui t'est passé sous Jovenel que yo pa bay route pour le passer sous yo. Nous penser le Guy Philippe Fink vini. Manifestation 7 février. Nous pensons que c'est Chavire ou pas de Chavire Ariel. Nous pensons que c'est force à ce Guy Philippe pas de gagner à l'époque pour te Chavire Ariel, non? Ariel lui-même, étant donné que tu as une équipe qui te crase Bouda Jovenel, tu as une équipe qui te crase. André Michel, Majorie Michel, qui est encore Nenel Kassi, tout l'autre acolyte SDP, yo, yo te nan ka Ariel Henry, yo te nan équipe Ariel Henry. Mais c'est facile pour Ariel Henry anticiper. Parce que monsieur dame sa yo ki expert nan boule caoutchouc nan barricade avenir nèg yo fè certificat yo fè licence yo fè master yo fè doctorat nan déstabiliser pays nous pensons que ta pral facile nous pensons que ta pral facile pour Ariel te perdre du pouvoir comme ça non et c'est ça que fait peut-être depuis février 2024 Guy Philippe li pas gagne gain cause parce que à l'époque janvier février Guy Philippe te gagne pile mounoui qui te croit nan nan cause yan te gagne pile mounoui te croit nan question révolution à l'époque te gagne plus moun que journée jodi an oui te dressé yo derrière Guy Philippe mais malheureusement gè krasé pays professionnel yo nèg André Michel yo te nan Boriel yo rive anticiper. Et c'est pas sans raison après Ariel te gagné Mercenel qui te là tapé qui t'a balle renfort qui t'a protégé etc etc t'a metté balle tête pour moun parce que nèg yo te vle à tout prix kembe pouvoir yo. Donc journée jodi an là ou poser tête tout question est-ce que opposition plurielle là est-ce que yo gen force assez est-ce que équipe Jean-Tel Joseph Caleb Jean-Baptiste là a parlé de désobéissance civile est-ce que ti pou moyen moun za yo suffi a yo même pour yo chavirer pour yo mettre do gouvernement ça à terre
Parce que là, nous vivons une opposition qui est tellement divisée. L'homme a déjà tel à l'époque, à un certain moment, Jean tel Guy Philippe Théoune, mais je ne veux dire, c'est comme si chaque monde n'en boit pas après les affaires par yo. Donc, quelque part, qui vient casser, li casser dans la bataille, li casser dans le mouvement, etc. Mais en tout cas, il est évident que ce n'est pas la dernière fois la police pral débarquer pour chercher Jean tel Joseph. Et le ça, pays a pral connaît véritablement, dans qui est ce dossier principalement. Et qui ça a reproché Jean-Tel Joseph et dans qui dossier li impliqué pour qui ça la police a pas cherché là. Nous gagnons Leslie Voltaire qui retourne dans pays jeudi vendredi 1er novembre là et li retourne dans salon diplomatique là, li bay conférence pour la presse, li est allé rencontre discussion chita parler et que li fait yo et l'autre pays, l'autre acteur qui concerné, qui sorti au concerné, qui sorti, faut qu'il baille en coupe, mais faut qu'il fournisse, j'ai regardé ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Li parle, et pour t'arriver à l'accueil, Leslie Voltaire, eh bien, premier ministre a fait déplacement à plusieurs membres dans le gouvernement. En nous regardant, ensemble avec moi, qui j'ai une situation lui-même, l'étape déroulée. En nous regardant ensemble. Bonjour. Premier ministre là avec tout ministre dans le gouvernement yo comme dans la mer DG la police là état major la mer état major la police là mesdames messieurs de la presse bonjour m'a commencé par exprimer sympathie pour tout monde Solino avec AKE avec tout l'autre côté gang a attaqué et puis assassiné depuis plusieurs mois dans Solino avec dans tout quartier yo. Une coalition gang a frappé sans camper. Malgré PNH là, ak citoyen zone nan campé Goumen ak la MEA, attaque contre population ak AEA, c'est yon l'autre qui mande solution rapide. N'a présenté condoléances nou bay famille toute victime qui mouri yo, qui blessé yo tout. Et nous promettre que gen secou direction protection civile ak l'autre agence pral pote bay yo. Faut que moi rappeler, moi t'ai parti à Kesseré. Tout temps moi dehors, m'a suivre comment problème yo pas amélioré dans pays a. Et y a vinn pi mal chaque jour. Moi partager douleur moun dans quartier Solino qui vinn augmenter quantité moun qui déplacé yo. Moi souffri ak moun cabaret yo, akaye, ak en pile l'autre côté. Quand on a la Tibonite qui en bas gros pression, à gros menace, nèg ak zam sans foi ni loi. Moi t'ai quitté pays a pour un petit bout de temps, jour samedi qui était 26 octobre. Moi t'ai allé dans pays la Colombie pour me participer dans 16e conférence Nations Unies t'ai organisé sur biodiversité. Nous t'ai plusieurs chefs l'État, chefs gouvernement, ak ministres qui était présent dans rendez-vous ça. C'est chaque deux l'année conférence sur biodiversité à organiser. Là on parlait de biodiversité, il y aurait un pile espèce la nature ban nous et qui utile pour qu'embe la vie sous la terre. Mais un pile nan yo disparaît ticras pas ticras et c'est les hommes qui ont détruit. Bolakay pan. Nous avons déjà perdu un pile espèces naturelles. Oiseaux, couleuvres, mabouya, poissons, homards, plantes, pieds-bois et latriers. C'est une grosse menace parce que plantes, les animaux, c'est eux nous manger, c'est à qui nous faire remède. Les n'a perdu, ça veut dire petite nous. Petite nous, pas besoin contre pieds-bois, ni contre plantes, ni contre animaux en quantité pour vivre. C'est une grosse menace. C'est ça qui fait le sujet. Yo. T'es choisi pour la 16e conférence. Lan, c'est en nous faire la paix avec la nature. En nous vivre dans la paix avec la nature. J'aimerais te dire dans le discours que j'ai présenté devant les représentants pays. Yo. Si nous ne faisons pas la paix avec la nature, pas bien la paix entre citoyens pays. Ya. D'ailleurs, nous ici dans le pays, la violence n'a pas détruit le monde seulement. Mais il détruit la nature tout. Moun ak zam attaque moun, mais tout yo détruit pied bois nou yo.
plante nous yo. Ça fait dans plusieurs côtés dans pays là. Surtout dans Makaya, dans Seguin, dans parc historique Citadelle. Nous attirons attention représentant tout pays yo sur nécessité pour une coopération tête ensemble pour aider pays yo yon ak lot protéger espèce la caillou. L'environnement yon pays gen problème. Conséquences l'ont frappé en pile l'autre côté. Nous t'ai parlé tout de engagement pour voie transition pour augmenter zone pays a qui gagne espace protégé et réservé. Nous t'a voulu arriver jusqu'à 30% territoire. C'est ça conférence l'a mandé. À peu près 9000 km² sur 28000 nous gagnons. C'est une façon pour nous pas perdre reste plante nous yo. Pied bois nous yo ak espèce animal nous yo. N'a remercier délégation technique qui t'a accompagné nous. Fonctionnaire ministère environnement qui t'a bail tout coup de main pour aider préparer dossier participation Haïti qui c'est Haïti 2030. Dans gros conférence ça. Nous t'ont profité pendant nous t'a passé dans pays la Colombie pour chita parler avec quelques présidents qui c'est amis pays d'Haïti. Si tu as parlé, tu as fait avec nous, tu concerné surtout sujet moins ouais qui plus gros tête chargé pays à faire face. Ces problèmes insécurité, à question en pile monde qui pas besoin de travail avec assez manger. C'est environ 5 millions seuls à faire nous qui pas qu'à manger. Bien parmi eux, c'est monde qui obligé de déplacer à cause de violence dans zone la caillou et bien l'autre monde. L'autre pays, tant que Saint-Domingue, voyait tout nek, kap vive koulia dans mauvaises conditions. Nous te chita parler avec le président de la Colombie, Gustavo Petro, qui sont grands amis Haïti. Okay. Nous présenter la situation et sécurité en Haïti. Et li d'accord avec nous que le pays l'a dirigé à se yon nan sous kap alimenter insécurité dans le pays d'Haïti. Sous quatre géographies, nous gardons ensemble. Yon route sous la mer qui sorti la Guajira dans nord Colombie pour arriver dans sud pays d'Haïti. Distance ça pas en pile. C'est là en pile trafic drogue, trafic zam ak l'autre bagay illégal a fait. Nous prenons décision pour force l'autre deux pays yo travail ensemble sous la mer qui sépare pays d'Haïti ak la Colombie. Faut l'autre force l'autre deux pays yo pour le mettre ensemble pour surveiller tout mauvais jet qui a traversé avec marchandises illégales pour augmenter l'insécurité en Haïti. Nous parlons tout avec le président Petro sur le problème de manger que nous gagnons. Nous tous connaissons l'agriculture pays a demandé j'arrête. Nous tous les deux décidons de garder qui mesure qui prend pour augmenter le commerce entre deux pays. Nous avons gardé si quelques produits nous obligent à acheter l'autre pays. Patabini, plus bon marché et avec meilleure qualité, si nous achetons en Colombie. En attendant sa fête, il y a une sorte de boucan étant bouilli qui mérite fête. Pour porter une aide alimentaire rapide pour déplacer nous, surtout à rapatrier nous. Président Petro offre nous un programme formation pour permettre aux jeunes nous capables de joindre un métier rapide. Tant que technicien agricole, mécanicien, électronicien, vétérinaire et latrier. Conseil capable de travailler pour aider tête. Il y a une institution lakayli qui est le Sénat, qui est le service national apprentissage, qui prend le travail avec l'école professionnelle Panouyo pour former plus de jeunes. Nous avons parlé tout avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a insisté pour dire nous que les Nations Unies ne peuvent pas entrer dans le problème interne du pays d'Haïti. Nous expliquer le progrès nous fait dans la démarche pour arriver dans l'élection. Nous parler de conseil électoral là qui m'était campé. Parce que 7 février 2026, Jean Sadi dans l'accord 3 avril là, yon président, yon parlement et maire yo qui sorti dans l'élection, yon tout yon doit prêter serment. Moi partager avec les préoccupations nous sur Jean violence et insécurité à valer terrain dans le pays. Ya. Moi t'ai profité tout pour partager avec le problème mission appui sécurité a qui pour qu'on arrive dans quantité monde qui t'ai prévoir. Moi rappeler li lettre moi t'ai voyé pour li semaine passée a
côté Haïti mandé pour MMAS la mission kenyenne là t'a changé en force gardien la paix. Comme ça n'a capable joindre plus financement en couverture aérienne avec en couverture maritime et travaille plus bien avec force sécurité nous yo. Moi t'ai parlé avec tout de souffrance haïtien que République dominicaine a voyé tourner dans mauvais conditions. Secrétaire général là t'ai montré le solidaire avec souffrance peuple là. Nous t'ai rencontré tout avec président pays Suriname là monsieur Sean Santoki. Nous t'ai fait un bon petit parler sous condition sœur avec frère nous dans pays ça parce que nous gagne pile dans compatriotes nous qui vivent dans Suriname. Faut que nous t'ai assuré nous que yo joine bon gens protection et bon gens garantie la loi. Nous t'ai posé problème urgence humanitaire nous gagne dans pays là et lui promettre coup de main pays lui avec tout l'autre pays CARICOM yo pour aider nous résoudre problème ça. Nous pourrons réunir tout à l'heure jeudi à Akion Akio la 22e session CARICOM. En pile l'autre délégation t'est approché nous. Dans coup pays Équateur, pays Bolivie, pays Venezuela, Guinée-Bissau. Tout le monde ça yo te voulait comprendre ça qui a passé dans pays d'Haïti. Yo te voulait comprendre comment on avancer avec transition. Nous t'ai profité ba yo toute explication et puis nous t'ai metté devant yo problème 5 millions de monde nous gain qui pas ka manger comme ça doit. Tout le monde ça yo promettre concours. Tout ça me dit là, ces amis qui veulent aider nous. C'est très bien. Mais moi pas jamais suspendre répéter ça. Haïti c'est pour nous lier. Avenir pays là c'est dans main nous lier. C'est nous qui pour rebâtir. Monde dehors ka ban nous coup de main. N'a aidé mettre sécurité, n'a combattre grand goût, mais développement pays a, c'est nous qui pour faire. Pour ça, m'a demandé nous toutes, quitte c'est dans l'État, quitte c'est dans la société civile là, quitte c'est dans le secteur business là, quitte c'est dans la diaspora, pour suspendre goût mais avec propre tête nous, l'île le temps pour nous avancer ensemble. Haïti c'est seul côté qui pour haïtien. N'a avancé mais faut que nous bien avancer. Parce que pour qu'il y ait conseil présidentiel transition, pas qu'on satisfait. Nous, là, depuis 6 mois, insécurité toujours va le terrain, monde toujours déplacé, quitté Kayo, pays a toujours pas qu'à petit li travail et manger. Nous toujours capables, nous toujours pas qu'à bien recevoir compatriotes pays étrangers à voyer tourner comme ça doit. Faut que nous changer, pressé, pressé, ça doit changer. Qu'il y a même, nous pouvons réunir pour nous décider comment ça doit changer. Merci. Voilà. Là, Leslie Voltaire, non, fin. À bientôt. À très bientôt. Voilà, Gary Conny, il fait place pour le président, premier ministre, ministre justice, ministre finance, etc. Bon, comment tu y as ici, frère Chum? Là, vraiment, nous allons finir l'émission. Gen plusieurs points extrêmement importants pour m'attirer attention nous sur lui. Leslie Voltaire li allé dans conférence dans sommet sur biodiversité. Li chita parler avec divers représentants le pays. Et si gon bagay que Leslie Voltaire li plus accentué sur lui et li répéter la plusieurs reprises dans salle présenté comme bilan, c'est question grand goût. C'est question grand goût parce que nous pas capable tête nous manger. Donc qui pays ou gagné pour pas qu'à bailler population manger, pour pas qu'à bailler petit pays manger, pour pas qu'à bailler peuple manger, et puis pour nèg yo fier pour yo di yo c'est dirigeant, yo c'est leader, yo c'est homme politique, yo c'est chef d'état, etc. Tout quand on passe son seul discours insécurité alimentaire, problème grand goût, problème insécurité. Deux bagages ça yo, c'est deux bagages qui t'a supposé. C'est deux bagages qui t'a supposé le plus rapidement possible interpeller acteurs yo, oui, pour regarder comment yo ka résoudre qui c'est problème insécurité a, problème gang, problème violence criminelle là avec question insécurité alimentaire ou question grand quoi, oui. Si véritablement nous sont trois li nan intervention économiste et Jérémy Lefebvre. Je ne j'ai dit si nèg yo te gen yon véritable préoccupation, yo t'ap assuré yo nan budget. Yo mette kanpe a, t'ap genye tout disposition ki prend pour
gérer question insécurité, mettez l'argent pour la police acclamée, renforcer sécurité nationale nous, pas quoi c'est dans chercher mes scénarios ta privé faire dit et mettez bon gens l'argent, mettez augmenter portefeuille qui est pour avec ministère de l'agriculture. Chita avec des experts, avec des techniciens en agriculture, en agronomie. Gardez comment nous accompagner les paysans. Gardez qui ça nous fait pour les paysans. Gardez comment nous aider les paysans pour nous redresser les bords. Mais nous avons préféré jouer qui est-ce qui a le plus gros outil, qui est-ce qui a le plus gros blanc derrière, qui est-ce qui a fait 10, qui est-ce qui a fait date. Et nous avons gardé dans le fin discours, les Voltaire. Les Voltaire li dou moment arrivé pour gè changement et changement yo pral fè yo. Donc li clair. Gay koni bay plusieurs petits coups de tête. Gay koni Kamicha oui parce que gay koni ils ont il faya avec ça. Ça Voltaire parlé yo. Mais vraiment nous senti que ça k'ap passé en dedans pays, il pas interpellé acteur, il pas interpellé nèg yo nan niveau yo ta supposé fon sur so pou yo di ah bon fond élan patriotique, bon mettre ti intérêt mesquin de côté parce que Jean-Bob s'était dit là, nous pas cachita sous branche et puis n'a sié encore. Si nous tombé là, c'est nous tout cap tomber. Si n'a terre là, c'est nous tout qui pour terre. Pas bon question on groupe nèg ap craser un pays, yo ka à l'aise et puis ou même ou pas ka à l'aise, ou pas ka vivre dans pays, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Qui loi dit ça? Qui loi dit ça journée jodi an là pour un groupe nèg qui participe dans crason pays pour yo à l'aise pour yo confortable ou même qui c'est citoyen honnête qui c'est citoyen modèle yo mande payer taxes payer impôts pas jamais dans corruption ou pas jamais dans voler nèg pour pas à l'aise dans pays ça dit ça qui loi dit ça oh mais bagay yo ta trop easy et ça fait li important pour nous prendre responsabilité nous parce que là vraiment moi même dit li toujours aimer dit plus ouais c'est bagay personnel nèg a régler. Et baba et pays qui a réglé. C'est nous pour prendre responsabilité nous pour nous changer pays nous. C'est pas pays ami j'aime dans de les Voltaire venir avec lui là parce que il gagne nouveaux amis. Oh oui, il gagne nouveaux amis Guinée-Bissau et gagne Équateur, Honduras, ceci c'est là bas quoi correct. La caillo pas plus bon que pas nous, mais yo gagne moun k'ap prendre pays. Yo gon peuple, les bagay yo grave, les bagay yo compliqué, pas peur fou les béton pour faire passer revendication yo. Nous même n'ap dormi yo zombifié nous. Yo zombifié nous. Pa konn ki formule nèg yo utilisé mais yo vraiment zombifié nous. Ça qui nan intérêt nous, ça que ta doit faire pour sortir nous dans situation, nous fermer les yeux sous lit, nous croiser bras, nous n'ap garder comme si nous accepter. Qui ne dit mot consent. Nèg yo fait nous participer dans propre misère nous, yo fait nous participer dans propre destruction nous. Et c'est la pire des situations pour un peuple qui soif liberté, qui soif stabilité. Faut participer dans propre destruction pays. Compatriotes haïtiens frères chèm, causé en pile. Mais c'est là oui, c'est là n'a mettez en bout jodi n'a quitté dans émission. Et pour un petit temps pendant week-end n'a font une introspection. Gardez qui sont café pour pays. Gardez pendant tout temps existence ou. Haïti pas mande rien. Pays pas mande nous rien, pays pas fait nous rien. Au contraire, c'est nous qui fait pays. C'est dirigeant qui fait pays. Donc moment arrivé pour nous bailler pays en retour, ça te ba nous. Moment arrivé pour nous prendre responsabilité nous pour pays à pour Haïti, pour petit nous, pour génération future yo. C'est seul ça nous ka quitter en héritage. C'est seul ça, quitter gros caille, quitter gros business, quitter belle machine, y a pas petit l'on merde. Ah, petit l'on merde non. Valè moun ki gen gros caille là obligé courir quitter le bandi. Ou gen belle machine bandi an prend la pou le louba ka di tuit pa gon poto kapote plein pa gon moun ka pral récupérer le baou. A quoi bon? A quoi bon? C'est stabilité nous besoin. C'est seulement ça, stabilité en pays qui stable, qui gen sécurité et pour nous arriver joine ni, c'est engagement nous pour nous prendre, c'est responsabilité nous pour nous prendre pour nous sortir Haïti côté lier. C'est là n'a mette un bout dans l'émission pour aujourd'hui hein, son véritable plaisir pour nous porter information sur la pour vous. Restez connecté à channel là, rendez-vous en casse dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Yeah.
Émission mon éditorial si je passe analyse débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti le lundi pour y faire vendredi depuis fait 2 heures de chez Chanel par là pour qu'a bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle pays, nous bras le débat, c'est toujours même Yannick l'en même voix. Oh yeah.